Voilà, là je redémarre l'enregistrement propre. Je t'enverrai ma facture, oui, tu une scène. Il est très terre à terre, sacré, tu une scène. Non mais merci, non, bravo, bravo, total respect, bien vu. Bien vu, tu une scène, t'es un chef. Nyeh, je me tire la langue, nyeh. Alors, ah, je crois. Voilà, me voilà. Oh, attends, je m'installe bien là parce que je me suis plié comme un sagouin sur mon siège. Je me fais bobo au dos, c'est pas bien. Dos droit. Saint-Jevire, c'est mon. Je vais me débrancher. Je vais me débrancher parce que là, c'est un sac de nœuds. C'est une horreur. J'ai. Oh là 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 là. Je vais démêler ça ce soir. Allez, zou, je pose, j'arrête parce que ça me rend fou. J'ai entortillonné le truc à pas faire. J'ai entortillonné un câble en USB, c'est une horreur. Je vais démêler tout ça ce soir. Alors attends, je suis qui Allez, au féminin. J'incarne Blaze. C'est parti, mon kiki, ça va pas tâter sévère. C'est la guerre. La guerre urbaine. Alors attends, les touches. Alors, police. Non, il n'y a pas de police dans celui-là. Ah oui, c'est vrai. C'est rigoureusement exact. Oh merde. Attends, j'ai découvert un bouton. Ok. Je révisais mes boutons. Merde, je sais plus. Oh, il faut que je me réhabitue à ce que je peux faire, justement, comme dit une scène, à tous les boutons de la manette, machin. Oh là là, ça demande de la concentration. Alors ça, c'est la fausse bonne idée. De mettre une rue en diagonale, ils ont voulu briser la linéarité du premier. Mais d'un point de vue pratique, c'est discutable. Parce qu'on sait se surprendre par les ennemis sur les à côté de la rue là. Mince, j'aurais dû le garder et le projeter par-dessus l'épaule. Oh, le salopard! Heureusement que je suis réceptionné. Oh, le brigand! Voilà, que je lui mette sa correction. Allez! Oh, tu pas tata, Jean Wegle! Aïe, ouille. Allez, venez, bande de vilgredins! Règlement de compte! Ouch, je me suis fait honteusement poignarder dans le dos. Ouais, au secours, il est en train de me viscérer. Monstre. Allez, à coup de tuyau dans la tronche. Merdoum. Alors, hop. Oh merde, j'ai lu. Ah. Et puis j'ai merdé ma réception. Je suis tombé lourdement sur le sol. Ah, j'ai mis trop de temps à faire ma prise, il l'a retourné contre moi, on se croirait au catch. Et du coup, c'est moi qui ai pris les dégâts. Ah, il faut que je réapprenne mes combinaisons de touche. Sinon, je vais faire de la mouise, comme je le dis. Ah, la tuture. Ah, là, j'ai réussi. Là, j'ai enchaîné un truc assez violent. Pif, pif, pouf. D'accord, ok. Ah, ah, je me souvenais plus qu'on pouvait péter ça. Ouais, prends ton poulet. Oh, pardon. Aïe. C'est ce qui s'appelle se faire planter. J'ai de l'horreur. Vous travaillez avec les brigands, monsieur. C'est honteux. Complètement. Oh, l'autre. Oh, ce non-respect. Bon, bah, du coup, j'ai droit à mon poulet aussi. Y'a pas de raison. J'avais complètement oublié que les panneaux se pétaient et que tu récupérais le poulet. Ah, le bar. Oh yeah. Allez, déjà, on bousille le mobile du bar. Tout va bien. Ce que j'ai dit la dernière fois, les vrais brigands, c'est nous. On bousille le mobilier urbain. La route. Aïe. Là, oui, là, monsieur, il m'a baffé.
J'essaye même de deviner ce qu'il y a au mur au niveau des... Vous voyez le tableau? C'est quoi? C'est un paysage de montagne là ou... On dirait. Bizarre. J'aime bien cet art suggéré du... On pourrait presque dire du... De l'art abstrait pixelisé mosaïque. En la pomme si tu veux. À défaut de tomber dedans. Mais je crois qu'il y a un pépin, j'ai pas le temps de les ramasser. Ah ah. Ding. Non, je veux la thune. Je deviens vénal. Ah, le billard. J'ai le billard. Oh, j'ai gagné une vie, je crois. Rien qu'avec la thune. Ah bah, toi aussi. En fait, on vient de s'acheter nos frais d'hospitalisation. C'est ça. Exactement. Uniquement dans le jeu. Excellent. Mais attends, je suis en train de me dire... Mais j'ai... Non mais, Christella, ça suffit. On a vu la... C'est pas le moment. Ah merde. Je rigole et puis je regarde plus mon écran, je me fais patater, au secours. Non, mais ça suffit. Ah. Je me marre comme un ego et je me fais... malmener. D'accord. Pif. Non. Elle s'est détachée, la vilaine. Ouais, vas-y, allez, pan. Je la tiens. Oh, ça marche. Ah. C'est horrible. Vilaine fille, tiens, peu. À ton tour. Voilà. Avec ce cri immonde qui déchire la nuit. Ah, le boss à l'arrière-cour. Enfin, dans l'arrière-cour. Ouais. Oh la prise. Oh oui. L'autre a eu le malheur de se présenter en me tournant le dos. Le et malheureux. Oui, joli, c'est strike. Non mais comment qu'il se la pète le boss avec son gilet rouge là? Oh, ce n'est qu'un... Oui, qu'un vilain qui vient de te faire une prise... Ah bah moi aussi. Tout va bien. Oh oui! Oui! Ne changez rien! C'est magnifique! Ah! Je suis violenté! Toi aussi, tu es violenté! Oh, je vais manger mon poulet maintenant! Je vais sauver ma vie! Non, reprends-toi! Oui, bien! Oh. Tu t'es réceptionné, bravo! Allez, viens, vilain! Oh, j'ai failli lui faire un kamehameha dans le bide! Non! Merde, j'aurais dû faire autre chose. Monsieur, revenez. Non, j'ai failli l'avoir. Ah, je suis deg. Voilà. Je voulais lui faire un caméa, vous l'avez vu, dans le bide, mais je me suis loupé. Je sais pas, j'aurais pu lui briser une côte. Le mec, il vient une croix sadique. C'est ça, devient Mortal Kombat, si tu vois le détail morphologique des dégâts que t'occasionnes. Tu vois les organes qui se déchirent, les os qui se brisent. C'est du Mortal Kombat fit Street Fighter. Ouais. Ah! Ah les motards! Bah tiens, je sais pas comment t'as fait, mais t'as gagné une vie. T'en es à 7 dans le compteur. Ouais, c'est parce qu'à un certain niveau de points, un certain nombre de points, tu gagnes une vie. Mmh. Donc là, je pense que ça doit être 55. Aïe. Ouf. Aïe! Ah bah, voilà. Ah merde, dommage. Merde, comment? Ah, merde, comme ça. J'allais faire un saut là, gros vilain. Fini? Attends, regarde. Non, ouais. Pas comme ça. Oui, voilà. La deux faces comme ça et hop. Ah non. Non, pardon. Non, j'abandonne. J'ai trop peur de te faire mal en fait. Ouf, ah bien tenté mais non. Oh le poing qui m'a logé dans la tronche.
Le sa... Mais il continue le sagouin. J'arrive pas à le toucher. Et il recule. Ouais, c'est un vicelard, lui. Ouais, tu convoites le tuyau, non? Non, on peut plus le ramasser, il est trop loin. Putain, la vache, mais j'arrive pas à le toucher, il me moleste. Mais c'est... Aïe. J'ai qui, ce mec? Oh non, hein, la moto. Ouh, je gagne en portée avec le tuyau en main, mais... Bien lâche. Voilà. Prends la pomme, malheureux. Prends la pomme. Avant de mourir. Si je pouvais. Ah non, pardon. Même moi, je t'en empêche. C'est scandaleux. Ah, voilà. Merde. Doom. Derrière. Ouais. J'ai réussi mon saut, mais j'ai merdé la réception. Il m'a percuté quand même. Oui, tu vas en haut, tu vas en bas, tu vas où? Verbe. Ouais, qu'on évite de se molester. Merde! Oh, mais ils sont trop rapides! L'horreur! Ouais, allez, je reprends le tuyau, je prends le risque. Parce que je gagne en portée avec le tuyau, évidemment, en portée de frappe, mais en... j'ai de la lenteur à mettre le coup, du coup, c'est moins rapide qu'un coup de poing. Évidemment, il faut bien qu'il y ait un inconvénient par rapport à l'avantage. Très bien! Très très bien! Non, mais très bien! T'as eu le temps de prendre le poulet, t'as sauvé ta vie. Là, tu le joues superbement bien. Et là, l'Arix dans le camion. Tiens, prends l'argent, ça te fera passer au niveau... à une vie de plus. Avec déplacé alors. Ouais, je sais pas. Wow. Mais j'ai pas perdu. Tiens, je t'en envoie un si j'y parviens. Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Non, pas ouais, pas. Est-ce que je me suis violenté? Non, arrête. Aïe! Oh l'autre, comment qu'il me prend au niveau des hanches? Le coquinou! Agression chichoual! Ouais, même pas le temps. Le jeu est intransigeant. Tiens, le taxi! Je sais pas pourquoi je chante ça. Mickey. Oh, la... oh les salopards! Bande de vilains! Allez, bien fait! Allez, faire un saut, pied en avant! C'est ça. Prends la pomme. Attends, lui, je le tue. Ah, c'est gentil, merci, gentleman. Hop là, ça il m'aide à ouvrir le truc. Oh non, l'enquiquineur de service. J'avais déjà oublié amnésie traumatique. J'avais oublié l'existence du casse-bonbon de l'homme fusée. Oh, c'est notre boss, notre némésis. Le deuxième niveau sur les hauteurs de la ville. Ouais, c'est vrai que c'est super bizarre comme niveau. Non. Mais voilà. Mais t'es un chef. Bravo, Torota. T'as tout fait, hein. Moi je l'ai même pas touché. Je sais pas, il s'est mis dans son coin. Voilà. Bien joué. Ah, la musique est extra. Ouais. Et là, on leur chante du Brassens. Bon public, bon public. Mmh. Laisse le tuyau tranquille. Est-ce que je peux péter cette poubelle? Non, non, pas du tout. Elle est immuable. Celle du bas. Tu peux pas bousiller le mobilier urbain. Là. Derrière. Oh. Oui. M'a fait tomber mon couteau. Le vilain. You... Lâche-te. Yeah.
Attends, je vais leur jeter le couteau. Non ! Ah, désolé. Je voulais... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est moi. J'ai l'impression que t'as fait un rembobinage de VHS, là. C'est ça, en plus. Trop bizarre. Oui, c'est bizarre. Comment c'est possible ? Bah ! Mais c'est fini, oui ! On peut faire une marche arrière, hein, aussi, si tu veux. Non. C'était énorme. C'est du délire. Mais l'autre qui me laisse dans le dos, cette Rix. Enfin, c'était pour... l'un des trucs un peu cheatés dans le jeu, c'est que vas-y, récupère l'argent. Mmh, merci. Oh, pardon. Je savais pas que ça faisait si mal. Ah. Oups, aïe. Désolé. Bah oui, t'es venu dans ma... Ouf. Tu l'as bien achevé. Voilà. Hop, c'est pas perdu. Pourquoi ne viennent-ils pas me voir, ces salauds? Allez. Ah, 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 j'ai une rupture de faisceau. Ah. Aïe, 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 aïe. Ma connexion réseau est en souffrance. C'est bon, c'est revenu. Oh. J'ai une légère coupure. Ah non, ça revient. Ah. Merde. Bah alors. Au secours, je peux plus jouer. Bon, ça va. Je sais pas pourquoi, j'ai une perturbation réseau. Il y a une perturbation dans la porte. Ah oui, alors. Maître Vador, mais que se passe-t-il? Oui, bref, je voulais dire dans le propos, vous devinez, pour ceux qui connaissent pas le jeu, la saga, parce qu'en fait, il y a plusieurs opus des rues de la rage, Street of Rage. C'est, on peut le dire, c'est un péplum urbain. Un grand baston de rue, grand défouloir, un grand classique du jeu vidéo. Alors, les équivalents, c'est une série que je connais pas, qui est... Dragon, je sais plus quoi, là, Double Dragon. Double Dragon. C'est un équivalent. Alors, le style de jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle en anglais Beats Em All, c'est-à-dire patater les tous. Ou violenter les tous. Oh merde, vous. Prends la vie. Attends, je vais surtout me débarrasser. Bah voilà, du ninja, trop tard. Oh merde, excuse-moi. Non. Bah oui, mais j'ai eu le malheur de rapatrier là où il fallait pas. Tiens, on a gagné un katana, j'ai récupéré la vie, merci. Et maintenant, ce serait bien qu'on se débarrasse du fichu ninja. Tiens, retournez l'arme contre lui, il fera moins le malin. Ah non, merde. Il m'a eu. Il a récupéré son arme. Bien joué, bravo. Et moi, j'ai brisé le katana par ma bêtise. Aïe. Pff. Ils sont chiants, ces ninjas. Voilà. Pouf, je suis content d'en avoir molesté. Loin. Très, très loin de vous, monsieur. Madame. Voilà. Ah, un jour, il faudra que j'essaye. Alors, il faudra que je vois si techniquement c'est possible. J'adorerais, une fois qu'on aura fini les Street of Rage ou qu'on se sera lassé, il y a une autre série, un équivalent, mais en 3D. Je sais pas si tu connais, qui s'appelle Fighting Force. Ça me dit quelque chose, le nom. C'était un jeu qui était sorti sur la GameCube ou la Sega Saturn ou la Nintendo 64, je sais plus. Enfin, c'était la génération suivante où il y avait les premiers vrais jeux en 3D. Et c'est le même principe de baston de rue avec un scénario. Sauf que c'est en 3D, donc c'est waouh. Le fait de pouvoir se déplacer à 360 degrés et évoluer dans différents décors en patatant plein de gugus, c'est jouissif. Ce sera un autre programme, donc de facto un autre émulateur, puisque pas Megadrive. Oh. Et j'adorerais pouvoir y jouer avec toi. Mais techniquement, il faudra que je me creuse la tête, que je fasse des tests de mon côté, que je vois comment je peux faire pour qu'on puisse y jouer ensemble. Je crois savoir que le jeu est un abandonware, hein, si je dis pas de bêtises.
Fais gaffe, ça va péter. Ah oui, merde, c'est vrai. Trop tard. J'ai oublié. Merci de l'avertissement. Fighting Force, normalement, est un Abandonware. Il y a deux opus. Il y a le 1 et le 2. Alors, le 1, je le connais. Le 2, je le connais pas du tout. Bonjour, Badivania. Comment que ça va? Le poulet. Et un katana aussi derrière. Ouais, je vois, je vois. Merci, tante. Ah, là, il me fait sa prise. Oh, pardon. Oui, allez, hop, je prends le poulet et le katana. Tant pis, c'est pas perdu. Même si j'étais pas en... Ça va et bien, c'est cool. Comme ça, au moins, tu récupères tout. Ouais, merci. Balivania me rappelle que c'était sur la PlayStation 1, Fighting Force. Ah, tu vois, je m'en souvenais plus. J'ai rien dit, pardon. Et je pense qu'il y a moyen d'émuler Fighting Force en deux joueurs à distance. Mais... Pardon. Comme... Non, non, c'est pas toi, mais... Comment une personne aussi maigre peut porter un gars aussi gros que moi? On peut m'expliquer? Ouais, c'est contradictoire. Et là, alors, magnifique. Dans le 1, tu essayes de le soulever, il t'écrase. Par contre, toi, ouais. Il te soulève quand tu veux. Ouais. Magnifique, c'est comme si Stéphane Bern arrivait à faire une prise de catch à Teddy Riner, vous imaginez? C'est ça. Ah ouais. Sale machine. Aïe. Oh, il a pas du tout aimé le katana, le... Excuse-moi, je t'ai envoyé le robot dans la tronche, mais au moins on l'a... C'est pas grave. On l'a démonté vitesse grand V, là. Oui, là, lui, je l'ai découpé. Ça va, ultra vite. Ah merde, boum. Oh, il est chiant ce boss. Oh, je lui ai fait bobo. Le poulet. Aïe. Oh. Ouais, le gros vilain. Oh. Allez hop. Ouais, bien vu. Attends, moi je reprends mon poulet. Aïe, tant pis. Alors, le gros vilain, il est où? Oh, il a dégusté de la semelle de mes chaussures en devinant la marque. Aïe. Wow, putain, alors pas grave, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Fighting Force. Ah, Balivania, t'es familier du Fighting Force. Est-ce que tu connais le deuxième opus? Parce que je sais qu'il y a un deuxième opus que je ne connais pas du tout. Comme je le disais là tout à l'heure, j'ai joué au premier Fighting Force. Je sais qu'il y en a un deuxième, mais je ne connais pas du tout. Voilà. Je suis mon curieux, hein, Balivania, mais je sais pas si tu connais les deux. Coup, Balivania. Et peut-être que t'es dans le secret, on va dire, technique. Est-ce que t'as pas vent ou connaissance d'une manière possible aujourd'hui, à notre époque moderne, de jouer à Fighting Force 1 et 2 avec un deuxième joueur à distance, là, comme on le fait? Bon, il y a quelques défauts réseau, là, pour ma part. J'ai des micro-coupures, mais bon, bref. Je présume que c'est possible, techniquement. Il faudra que je farfouille, que j'essaie de tester de mon côté sur mon temps libre. Ah, ben voilà. J'adorerais pouvoir jouer avec Torota en direct. Alors oui, je le connais, mais il est moyen, bien meilleur reste le premier. Oui, avec Rome Station, on peut le faire. Ah, mais oui, je pensais plus à l'existence de Rome Station, t'as raison. Merci, Balivania. Oh, génial. Oh, trop bien. C'est cool. Enfin, d'ailleurs, je dis que je vais jouer avec Torota parce que c'est mon meilleur partenaire de jeu pour ce genre de jeu. Mais par exemple, Balivania, peut-être qu'un jour, si ça te dit, on pourrait s'organiser à se rejoindre justement sur le Rome Station, là, comme tu dis. Et puis, si un jour le cœur t'en dit en direct de me rejoindre dans une partie de ça ou d'autre chose. Je vais te prendre, oui. Le. Superbe tuyau. Oui, 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 merci du bon tuyau. Wally Wallou. Do baseball. Oui, pourquoi pas, ça me dérange pas, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Ouais, il faudra qu'un jour on s'organise ça, Balivania. Mais merci de m'avoir mis sur la piste du Rome Station. Tu vois, très bien de m'avoir donné le mot-clé. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas mis du Rome Station. J'y pensais plus que ça existait. Mais ouais, c'est génial.
C'est génial. Oh, c'est cool. Voilà. Ouf. Oh, le coup. Pff, lui, il m'attendait. Oh, bah tiens, il t'a pas loupé non plus. Ah, merde, oum, j'en moleste un et le deuxième m'échappe. Ah, mais... Ouais, voilà. C'est... Oui, achève-le. Ce décalage, ouais, là. Moi, je finis au couteau. Tu veux pas prendre le tuyau, c'est que tu peux... Je préfère le couteau. Ok. Voilà, tu vois, je fais grave bobo au couteau. Je les déchire. Alors, on avait vu l'affiche Do Baseball, et puis moi, je traduisais bêtement par... nous invite à faire du baseball, faites du sport, quoi, dans l'idée. Mais non, en fait, mm-hmm, dans le scénario du jeu, c'est une indication de dire la base du grand méchant, c'est le stade de baseball. Comme on va le voir, là, on va descendre dans l'ascenseur planqué sur le terrain de jeu. Tu veux pas l'argent ? Vas-y, oui, il est à ton niveau. Écoute, je suis en train de défigurer à vie des vilains. Un coup de couteau dans la tronche. Ah bah tiens, autour de ces dames. Oh là là. Non mais ça suffit les cristallins, vous allez, madame, on reste sage s'il vous plaît. Banivania qui dit oui, c'est la plateforme que j'utilise, mais j'avoue, ça fait un moment que je n'ai plus lancé de ROM non plus, ouais. Ouais bah ouais, mais c'est vrai, c'est extra que ça existe. On le remarque aussi par l'arrière-plan. Ah. Ah, les tribunes. Oui, 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 exact. J'ai rigoureusement check Jacques, Malibania. Oui, la pomme, oui, t'as raison. Mince, pardon. Ah, désolé. Je fais de la mouise. Voilà, la plateforme. La plateforme des enfers. L'antre du diable. Nous allons atteindre le 666e sous-sol. Ah oui, il y a Big Ben qui est hors écran. Et but. Pendant ce temps... Là, j'ai fait un home run. Mais c'est ça. Voilà. Pendant ce temps, mademoiselle fait ses gym. Yeah, bien joué. Ouais, on est tier team, Bolivania, effectivement. Attends, qu'est-ce qui est sur Steam? Ah oui, 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 on joue à la collection Mega Drive sur Steam, oui, d'accord. J'avais pas lu la phrase précédente de Balivania, du coup j'étais perturbé en me disant, ça y est quoi, il y a Fighting Force qui est mis en vente sur Steam, je buguais là. Alors que pour moi c'est un Abandonware. Ah oui, c'était la PlayStation Fighting Force, merde. Moi j'étais dans une totale confusion. C'est bien ça, il y a lesquels... Non, non, ils y sont pas tous. Mince, attends, faut que je regarde mon écran de jeu tout en répondant au public. Dans la collection Sega Genesis, donc le nom américain de la Mega Drive, sur Steam, vous avez, je crois, 30 ou 40 jeux, je sais plus. Il y a la trilogie, donc comme vous pouvez voir, de Street of Rage. Il y a la trilogie qu'on se fera aussi avec Torota à l'avenir de Golden Axe, la hache en or, là, dans Medieval Magic. Il y a les Echo le Dauphin, il y a les Sonic, 1, 2, 3, Knuckle, le Sonic Flipper Pinball, là. Il y a le Sonic 3D aussi, je crois. Je dis bien je crois. Ouais, là, il y a ça. Il y a quoi d'autre dans la collection? Il y a ce qu'on a fait à deux, Torota, je lui ai fait découvrir, là, les deux mecs qui gèrent les bombes. C'est... Merde, j'ai oublié le nom. Non, je suis plein de vie, je vais pas prendre le poulet. Ouh, ce combat de catch. Merde, ouf, j'ai le poulet. Par-dessus la troisième corde. Oh! Merde, j'ai oublié le nom du jeu. Oh, il y en a plusieurs. Enfin, regardez sur la page Steam, sur Internet. Vous demandez Mega Drive Collection et puis vous verrez.
J'ai plus les noms en tête de tous les jeux. Je crois que. Non, j'allais dire Outrun. Non, j'ai des bêtises. Je sais plus si Outrun, le célèbre jeu de la Mega Drive. Je me rappelle que ce boss a fait tellement mal. Ouais, il est redoutable, le catcheur. Bien joué. Merci. Ouais, tiens, j'ai gagné une vue ou un continu là. Vu la musique. C'est musique. Oh putain, t'es allé trop vite. Waouh, j'ai même pas pu l'approcher. Mais... putain, mais deux fois qu'il me fout des coups de tue dans la tronche. Mais merci. Moleste-le. Ah, mais tu peux battre Bouboule. Faire de feu. C'est ça. Ben j'ai le couteau. Oui, tu lui offres un régime amaigrissant instantané en lui découpant le lard et en lui retirant violemment sa couenne. Ça parle mal. Et je lui récupère sa petite casquette que je revendrai. Eh oui, tu lui as offert le célèbre régime comme j'aime pas. Ça parle mal. Je vais avoir des problèmes. On n'entend plus parler comme d'ailleurs de cette formule. Ils sont fait attaquer, ils ont fait faillite ou quoi? Non, non. Ils existent encore? Ouais, pas. Mais t'as beaucoup moins ça de pub. Oui, et puis j'allais dire, je regarde plus la télé française, donc je suis un peu nigo. Eh bien, tu sais, en plus, quand tu fais vraiment appel oui. à de grandes personnalités ah oui. De la télé, donc ben, ça peut faire aussi. Hein, donc... Ouais, non, mais ça joue, c'est bien étudié, évidemment. Ah tiens, en parlant de pub avec des personnalités, alors plus dans notre monde à nous, j'ai envie de dire, de Internet. Et YouTube, les pubs YouTube ou Twitch, je crois que c'est YouTube. En ce moment, il y a une pub pour le grand opérateur téléphonique français, là... Je vais pas le nommer, hein, j'ai pas besoin de leur faire leur pub. Bref, ils ont... C'est une longue pub qui dure une demi-heure, je crois. Et... Merdoum. Ah, dommage. J'aurais dû prendre la dinde, mais j'ai pas pu l'atteindre. Bref, la pub dure une demi-heure et t'as des célébrités de l'internet français autour de la table avec une animatrice que je connais pas, je sais pas, mais elle est plutôt douée, la jeune femme. Et c'est un jeu sur la culture internet machin. Et parmi les invités de notoriété, il y a bah, y en a qu'une que j'ai reconnue, qui est la fameuse Feridina, la grande athlète française là, qui est championne olympique, trois fois championne de France de Just Dance, et qui est vraiment une athlète accomplie, c'est dingue. Et ben figurez-vous que vous la verrez dans les vidéos que j'ai tournées. Elle était au Mestory cette année là où j'étais sur place. Oh. Donc je l'ai vue en vrai et je l'ai observée. Alors je profitais de la musique en même temps. J'aimais bien l'ambiance. Je l'ai observée pendant une bonne demi-heure parce que je m'étais posé là. J'étais bien et j'étais sidéré par l'énergie, le rythme de fou qu'elle dégage quoi. Elle devait être sacrément entourée, non? Bah oui, elle avait son succès. Il est évident que son arène de Just Dance était pleine. Ça va de soi. Mais j'ai pu la voir, quoi. Elle était quoi? Elle était, à, on va dire, à 20 mètres de moi. Et j'étais bluffé, quoi. Je l'ai suivie pendant une demi-heure. Elle anime très bien. Elle est bourrée de talent. Et elle danse, mais... Alors, elle avait pas tout le temps au niveau du jeu, elle avait pas tout le temps le méga star. Elle avait quasiment tout le temps le superstar, mais... Merci, ouais. Elle avait pas toujours l'ultime méga star. J'ai envie de dire, soit le jeu est perfectible, soit c'est elle qui est un peu perfectible. Elle exécute pas à la perfection les chorégraphies, mais je suis vilain, parce que vraiment, il y en a énormément des chorégraphies. Et elle les maîtrise toutes, en fait. Et... Pouh. Moi je suis bluffé. Je suis bluffé à quel point elle déborde d'énergie. Pardon, j'appuie par mégarde sur une touche de ma. Non, c'est moi. Ah bon? Ah ben toi aussi. Non, c'est moi en fait. Non, Feridina, incroyable quoi. Elle a tous les talents.
Bref, j'avais rigolé de la revoir dans la pub, c'est là où je voulais en venir. J'avais rigolé de la voir récemment dans la pub. Elle doit bien gagner son beurre, hein. Elle est vraiment maligne. Oh ben, comme tout le monde maintenant, tout pour gagner un maximum d'argent, les sponsors, les trucs. Ouais. Pour en revenir à Joueur du Grenier, il a été... j'aurais pu vous mettre le lien, j'y ai pas pensé. C'est mon cousin Rio qui justement m'a passé le lien de Joueur du Grenier qui a été interviewé là récemment pour ses 15 ans d'existence. Il a été interviewé par l'agence France Presse. Et une interview très sympa en 3 quarts d'heure où ça résume très bien ce qu'ils ont fait. Vite le poulet. Merde ! Il m'a pas laissé le temps. Ah ! Et voilà, je suis mort, j'ai une barre de vie pleine et merde. Tu vas payer pour ton crime. Aïe, ouïe, aïe, aïe, aïe. Vilain boxeur. Boxeur, aïe, mais... Bon, bah là, la dinde va m'aider. Merci. Voilà, j'ai récupéré de la vie. Là, pour le coup, ça a servi. Pardon, je fais le boss et je continue mon propos. Oui, non, non, oui. Tout est business, de toute façon. Que ça soit Twitch, que ça soit YouTube. Putain, il est dur. Alors, c'est bon. Même, j'avais vu il n'y a pas longtemps sur YouTube une personne qui faisait qui parlait justement de Twitch et YouTube par rapport aux revenus pécuniers. Twitch, il n'y a que 369 personnes sur tout le nombre de streamers qui existent sur Twitch qui vivent au minimum du SMIC. D'accord. Intéressant. 369 sur le je sais pas combien millions. Oui, bah oui. Et je vous lirai dans le chat après, hein. Je vous oublie pas, hein. Je vois bien que vous écrivez dans le chat, mais je sais pour finir mon propos et pas être décousu en direct. Donc Joueur du Grenier, 15 ans d'existence, interview anniversaire par l'agence France Presse, l'AFP. Vous pouvez trouver vite l'interview, vous allez sur la chaîne AFP de YouTube, là sur YouTube, canal AFP, et vous retrouvez donc l'interview des Joueurs du Grenier, Fred et Seb. Super intéressant, si vous les connaissez pas, j'en serais surpris, ou mal, mais vraiment, même si vous les connaissez, l'interview est géniale. Très très bien monté, excellent. Bref, il disait que heureusement qu'il a les sponsors, les entreprises qui l'aident. Donc il est comme pas mal de youtubeurs à le fameux de bouffe là, HelloFresh. C'est un de ses sponsors, mais pas que. Alors j'ai cité celui-là exceptionnellement, mais il est vraiment connu. Et il dit il y aurait que les revenus qu'il attendrait de YouTube, il pourrait pas en vivre. C'est parce qu'il a des sponsors qui peut se dégager un salaire et qui plus est payer ses employés. Il avait expliqué d'ailleurs qu'il a 6 employés à temps plein dans sa boîte. Voilà. Et c'est du boulot hein, d'être patron d'entreprise. Enfin bref, c'est génial l'histoire de Joueur du Grenier. Elle est magnifique. Et prout. Après, c'est vrai qu'il y a une différence, je trouve, flagrante entre YouTube et Twitch. Oui. C'est que YouTube, c'est plus de la création ou du montage création, montage, les effets, les caméras, les trucs, les machins, les sponsors. Twitch, eh ben t'es assis sur ta chaise, tu trimes, t'es tranquille. Oui, c'est à chaud, c'est ça que tu veux dire, Twitch. Ouais, voilà. Alors après, maintenant, malheureusement, t'as de plus en plus de gros streamers, malheureusement. Oui. Qui commence à dévier un petit peu le rôle de Twitch. Parce que maintenant, quand tu vois la Formule 4, la F4, les trucs, les compétitions de Fortnite ou de je sais pas quoi, des trucs, des machins. Donc,
Mais par exemple, il y avait. Je sais plus où je l'ai vu, mais le premier tournoi GP qu'avait fait Squeezie. Oui. Il disait que pour faire ça sur Twitch, ça lui avait coûté 3 millions. Oh la vache. C'est énorme, 3 millions d'euros, punaise. Quelle époque. Alors, effectivement, ouais, Squeezie, il a battu des records de vues puisqu'il a atteint le million de vues pour un stream. Mais je trouve que c'est quand même exagéré parce que honnêtement, dépenser autant d'argent pour faire un truc comme ça, à la limite, il aurait fait ça sur, je sais pas quelle plateforme, ou YouTube, ou je sais pas. Et faire Twitch maintenant. Twitch maintenant, c'est plus vu comme de la télé que du streaming. C'est dommage. Parce que franchement, c'était pas comme ça au début, quoi. Ouais. Oh merde. Ah! Il me fait sa prise, le vilain boss. Alors, pardon, je me concentre sur les boss. Et après, je reviens vers vous dans le chat. Pour répondre à une scène, j'incarne la fille. Je suis Blaze, hein, moi. C'est Torota, l'homme musclé et Max. Je me fais molester, c'est une horreur. J'arrive pas à la voir. Ah! Et puis l'autre qui me prend. Et puis j'ai une coupure réseau. Au pire moment. Pardon. Ouais, non, mais il y a des coups qui se perdent. Forcément, il y a des coups qui se perdent dans une rixe monumentale. Couteau. Attends, je reste en bas. Je reste en bas, tu restes en haut. Oui, je le poignarde. Oui. Non. Oh, ouf. Magnifique. Wouh. Donc, dans le public, je vous réponds. J'en étais où? Oui, une scène. Tu m'avais dit le jeu en développement depuis 4 ans se nommait Doom, The Dark Age, et aurait une inspiration médiévale. Il serait multiplateforme et devait être présenté le 9 juin prochain lors du Xbox Game Showcase. Ok. Dina, je l'ai déjà rencontrée, parlé, photo et autographe. Oh, sympa. Mais elle a tout pour elle, hein. En plus, c'est une magnifique femme, hein. Vraiment. Mais ce que je salue chez Dina, c'est son régime, son hygiène de vie d'athlète. Et c'est impressionnant, vraiment. Elle déborde d'énergie, elle enchaîne les chorégraphies. Je sais pas son stand. Alors évidemment, elle faisait des petites pauses de temps en temps, heureusement, pour se rafraîchir. Mais je crois qu'elle a enchaîné toute une journée sur Metz de danse. Ou du moins, elle a au moins fait 4 heures en continu, quoi. Un truc de fou, quoi. Oh! Mais... Ah! Balivania, observer sa danse ou son corps, lol. Bah les deux, tu peux pas dissocier le corps de la chorégraphie. Donc oui, elle a vraiment un physique magnifique pour une jeune femme, elle est parfaitement... Elle est magnifique, voilà. Elle a quel âge? Je suis pas dans la discrétion, je sais pas, elle a 30 ans peut-être, non? Je sais pas, je lui donnerai 30 ans. Je suis nul hein, pour évaluer l'âge des gens. Mais je sais pas, je lui donnerai 30 ans. Elle doit avoir le même âge que Enjoy Phoenix, qui est elle aussi une femme très louée en affaires, qui est aussi très belle. Ah! Vas-y. Je me fais pas tâter. Twin Sand dit c'est qui. Oui, très bien monté, voilà, ouais. J'ai répondu tout à l'heure à ta question. Ah oui, les poulets, oui, je veux bien. Moi, je le veux bien maintenant. Ah, on a retrouvé Christella. Qui a changé de tenue encore une fois. Oh, non, la pauvre. Depuis qu'il y a le coup du fouet, soit c'est pour Nash quand c'est un mec, quand c'est une nana, c'est pour Christella. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi.
Sacré Christella. C'était bien. Qu'est-ce que c'était rigolo hier soir quand vous avez fait votre truc de monstre là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oui, et puis c'est bien, il y aura d'autres épisodes. T'en referas d'autres du Content Warning. Ah, c'est oui, trop oui, rigolo. Oui. Non, mais ça, il n'y a pas de soucis parce que. Ouais. Vu comment on s'est marré. Ouais, ouais. Non. La drôlerie est assurée. Ah ouais. Putain, il est chiant l'ascenseur, punaise. Ah, je disparais, je réapparais, je suis tombé. Moi, j'ai eu des demandes. Le monsieur là. Oui, ouais, non, aïe aïe aïe, oui, bah justement, il m'a fait une très mauvaise prise. Ah bah, j'ai bouffé un poulet. Vas-y, prends le tien, voilà. Ah, mais, oh mon pauvre On peut pas manger son repas tranquille, c'est ça. Honteux, merde, j'aurais dû lui rentrer dedans dans le. Putain, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est pour moi. Allez, il est à mon niveau. Ah. Non, je l'ai loupé. C'est lui qui m'a chopé. Merde. Il est où? Il est pour toi. Tu l'as loupé. Ouais, effectivement. Il était pour moi. Ouais, violent, 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 violent. Reviens là. Ça... Bah, ah ouais, non, mais d'accord. Laisse-moi te défoncer. Là. Yeah. C'est bizarre que des fois, il est au même endroit où je l'ai touché et je le retouche pas après, derrière. Oui, ça a l'air perfectible. Ah, il est pour moi. Merde. Loupé. Bien. Ah oui, tu balances son canal, là, Ferry. Oui, bien sûr, évidemment, elle a sa chaîne Twitch, Twinsen, ça va de soi. Bah, une fois, je l'avais vu il y a longtemps sur son direct Twitch, Feridina. Mais je suis pas amateur du contenu. Mais vraiment, de l'avoir eu l'occasion de la voir en vrai, là, à quelques mètres, et de voir sa performance, où elle est incroyable, avec la bonne ambiance musicale, mon respect, quoi. J'étais bluffé. Oula. Ah bah moi aussi je me suis laissé surprendre. Pas trop, en général moi je mets pas trop les chaînes de gros streamers parce que franchement avec tout ce qu'ils ont comme comme viewers je m'inquiète pas pour eux. Oui. Je préfère évoluer en même temps que tout le monde. Parce que de toute façon comme par exemple une fois, alors ça c'était dans tous les au tout début, donc j'avais fait un raid à JDG. Au début j'avais personne, il y avait que moi hein, sur la chaîne qui regardait au début. Il avait vu qu'il y avait un raid, mais il s'était marré quoi. Donc voilà, ça, le manque de respect des gros streamers. Oui, merci. Oui, attends, non, oui, allez, attends, on est au même angle, ça va pas. Faut que je... Oui, mais comme j'apparais là, tu vois, je suis coincé. Voilà. Désolé. Ouais, non, il n'y a pas de mal, t'inquiète. Voilà, là, ça va beaucoup mieux. Ah bah tiens, il a voulu me planter, le salopard. Heureusement, je suis décalé. Hop, un petit couteau. Donc, moi, c'est pour ça que les gros streamers, je laisse tomber. Oui, bien sûr. Non, mais puis il est évident que les gros streamers, ils sont dans leur logique commerciale. Ils vont certainement pas mettre en lumière les autres. C'est pour ça que, comme JDG, il y en a plein des grands diffuseurs. Les relais de chaîne, ils connaissent pas. Ils voient bien, évidemment, dans leurs coulisses qu'ils reçoivent, mais ils sont en veilleuse. Ils ont pas d'alerte pour pas faire de publicité et que personne ne puisse faire sa propre pub chez lui. Mais en plus, il en fera pas. Ou alors, c'est quelqu'un qu'il connaît, sous-entendu presque quelqu'un avec qui il est en contrat. Donc... c'est jamais gratuit. Mais oui, mais c'est logique en même temps dans leur commerce. Oui, attention, c'est les premiers robots là dans le jeu, ça devient sérieux là. Là, ça devient Ken le survivant contre Terminator Robocop. Oh la vache! Comment qu'il m'a tiré dessus le salopard? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonjour. Il est quand même encore assez tôt dans la journée. Bonjour Fenvan. Yo Fenvan. Merdoum. Oh là, bah non, mais encerclé par les deux robots, c'est ingérable. En solo, c'est la mort. Pardon, ouais. J'étais... Bah oui, mais en même temps, j'avais une occasion de poignarder le... Ouais. De rayer la carlingue du robot. Non, mais j'ai... Oh, vache. Ils font pas de cadeaux. Oh non, je voulais prendre mon impulsion, sauter. Voilà, mettre mon pied dans la tronche. Et j'ai pas pu. Tiens, il a voulu me rendre l'appareil.
font chier. Oui, elles sont dures. Hein. Ils sont plus gesticulent plus que le marsupilami. Toi, du coup, je te patate pour essayer de les atteindre et j'y arrive pas. Oh merde. L'autre, l'explosion m'a tué. Un de moins. Ouais, bah courage. Parce que là, je suis quasiment mort. Attends, bougez pas. Ouais, mais non, il allait faire son attaque. Voilà, je suis mort, adieu. Ah. Voilà. Alors, Just Dance, tu rigoles, une scène, mais Just Dance, j'aime bien en faire de 100 ans avec ma frangine. Mais vous ne verrez jamais les vidéos. Autant moi j'assumerais, ma sœur non, elle veut pas, évidemment, je le respecte totalement. Attends, je vais revenir, Torota, excuse-moi, je suis en train de faire n'importe quoi avec le nom. C'est pour ça que je lance un appel à la cousine du sage de Nancy, si elle pouvait nous balancer des vidéos compromettantes du sage de Nancy, ça serait avec plaisir. Non, non, c'est juste réservé à la famille. Mais oui, il est vrai que j'ai des vidéos de moi avec ma frangine en train de faire du Just Dance les années précédentes. Vous, elle peut me l'envoyer sur mon Discord, y a pas de souci. Non, puis. Alors, je sais pas comment les autres gèrent sur leur direct, mais évidemment, tu te heurtes au problème de droit avec les musiques dedans, quoi. Alors, oui, je présume qu'il y en a qui diffusent juste l'image et qui coupent le son, mais ça doit être très bizarre comme. Comme voilà. Ambiance retransmission. Mais. Mais non. Oh. Vous n'aurez jamais accès à ce contenu. Privé famille. Je veux. L'enregistrer. Mm. Le sol qui bouge. Mm-hmm. Oui. C'est pas rassurant parce que c'est une plateforme ascenseur donc. Tu te dis merde, finalement ça tient à pas grand chose et le truc peut péter et on descend de 50 étages quand la plateforme se brise. T'as comment qu'il te parle, mec? Ouais, mais en attendant, je l'attaque. Vas-y, défends-toi. Alors, Balivania disait, parce que j'ai pas fini de vous lire. Le problème, tu disais Balivania, attends, merde, l'autre il revient vers moi alors que j'étais tranquille. Allez, je vais l'achever, suite. Le problème avec Twitch, c'est qu'au début, c'est des petites personnes qui diffusent leur jeu pour le plaisir. Alors, il y a toujours des moins. Oui, il y a toujours une part négative de l'expérience. Ouais. Ah, je me suis fait griffer à outrance, là. Mais il arrête... Ah, il mais... Subjecté. Oui, non, mais il nous a fait des prises... Salopard. Attends, vas-y voir que je le patate... Aïe. Oui, bien repris. Voilà. Aïe. Non. J'ai eu mon droit de réponse, là, le griffeur de mes deux. Merdoum. J'étais trop au corps à corps, il m'a chopé. Merdoum. Putain, mais il est redoutable, mec. Oh, il sait plus comment se mettre, gauche-droite, en parade, c'est trop bien. Oh non, c'est trop drôle. Attends, je te redirai après, Balivania, excuse-moi, tu comprends la gêne. Non, mais pourquoi je lui ai tourné le dos? Le truc y a pas à faire. C'est bon. Oui, joli. Ouais, Blanca, exactement. Oui, non, mais ils ont dû copier-coller le Blanca de... Oui, tu as raison, des combats de rue, là. Des Street Fighter. Exactement, c'est ça, Balivania. Exactement, ouais, j'avais pas encore fait le... Oh. Cette animation dans le vide, c'est drôle. Ah. Grand catcheur dans le... L'autre, il essaie de me faire passer par la troisième corde, l'autre dans l'ascenseur, fini, oui. Oh, mais il est chiant avec son jeu de Monsieur Muscle, là. Oui, vas-y, règle-lui son compte. Bravo, magnifique, très bel enchaînement. Il a dégusté, à mon tour. Merde. J'ai pas tenu... Ah, oh, cette prise devrait être interdite. Son avantage est trop énorme. Hop là, allez hop. Pouvoir se dégager, il est chiant. Ah bah tiens, wow. Le grand Manitou. Ah, m'a fait peur.
Alors, on essaye de terminer proprement le jeu, excusez-nous, et Balivania, je reviens vers toi pour te lire et te répondre. Ouais. Ah ! Le bras droit du... Ah ! Non, le Shiva, il fait bobo. Non, non, dégage, aïe. Ouh, il est chiant, lui. Lui, il est ceinture noire de tous les arts martiaux, lui. Judo, karaté, kung-fu, tout ce que tu veux. Il va nous déboîter. Il est super dangereux. Alors, le gars là, en... le Shiva en personnage jouable, il doit être trop bien. Tu fais tout avec. Ah, je l'aurais. Tu l'aurais dans le dos. Ouais. Merde! Il est inchopable, oh le gars. Non. Il est inchopable. Putain, l'autre qui me part. Merde, mais. Ah! Violence! Merde, je peux même pas me défendre, c'est scandaleux. Salopard. Ah, mais. Oh, je lui ai fait bobo là. Avec mon Kamehameha. Et oh, tu m'as achevé. Tu m'as achevé, au secours. Merde, désolé. Mon dernier continue. Allez, pour la fin, je vais incarner Alex. Je vais changer, je vais incarner le blond. Ouf. Bon, bah, c'est pas mieux. Oh la vache. Comment qu'il nous mate. Moi, je reste en haut, je reste en haut. Je reste en haut. Attends, si on fait pas les idiots, on a peut-être une chance de finir le jeu, mais il faut rester concentré. Pour une fois qu'on le finit... Ah ! Qu'est-ce que cochonnerie de schmoke du schmoufou ? Mais je me fais. Bon, je repasse en bas. Ah, tu repasses où tu veux. Je suis perdu. Le jeu m'a oui mis en bas. Le pied en avant. Oui, le big boss, ouais. Sur son trône, allez, c'est ça, Balivania. Viens, sors de là. Attention, il y a un pistolet. C'est le seul qui a le droit de faire usage d'une arme. Je suis pris une balle dans le foie. Putain, mais il est chiant. Il va pas arrêter de le faire. Ouais, mais faut vraiment se mettre à côté de lui. Et puis, je peux pas courir et sauter. Il est trop, trop mou, Alex. Axel, pardon. Oh, la musique, elle est extra. Oui, qu'il arrête de nous mitrailler parce qu'il est chiant. Là. Les petits larbins, voilà, menu frottin, je me les coltine. Ah, mercredi. Comme tu dis. Mais, oh l'autre, comment qu'il m'a stoppé en plein saut avec le poing en l'air. Aïe. Salopard. Mais allez mourir. Ah. Non, je suis dans la merde. Pardon. Je deviens grossier parce que c'est rageant pour le jeu. Allez, viens goûter de mes points. Merde, on y est presque. Voilà, merci, voilà. Bravo. Oh, mais... Allez, il a pas fini de me... Merci. Ah, bravo, on a fini le deuxième opus pour la première fois en direct. Ouais. Bravo. Alors, Balivania a dit, le problème avec Twitch, c'est qu'au début, c'est que des petites personnes en direct pour leur jeu, pour le plaisir. Bon, il y a toujours des aspects négatifs. Et depuis qu'il y a les gros youtubeurs qui ont débarqué sur Twitch, ça a un peu tué la plateforme. Ouais, bah oui. Mais ils vont là où il y a de la thune bien répartie. Ah oui, il y a nos noms, tiens. Il y en a de plus en plus, hein, de toute façon. Ouais, mais bah, le gâteau est en train de rapetissir là, parce que déjà il y a l'effet confinement qui est passé, donc il y a moins de public. Il y avait une énorme envolée des audiences, évidemment, lors du confinement. Ouais. Et là, voilà, le gâteau qui se rapetissit, bah, les parts, même proportionnellement, sont plus petites pour tout le monde. Donc la poule aux œufs d'or est en train de quick. Merci pour les GG FanFan. Donc Balivania qui disait, même quand tu vois que maintenant il y a des acteurs télé qui débarquent sur Twitch, ouais. Les gens YouTube, les acteurs télé, acteurs, Twitch, des mais ça, c'est ça, mon point de vue. Oui, on peut penser, mais c'est rigolo. Enfin, moi je sais que c'est rigolo, moi j'aime bien, même si j'avouerai que j'ai pas regardé, mais le principe m'amuse. Le grand journaliste français là, je sais plus son nom. Merci, Samuel Etienne qui fait sa revue de presse de temps à autre. J'ai rien contre, il faut des goûts et des couleurs, c'est une bonne chose. Et puis qui se met au jeu vidéo, de temps en temps il fait du jeu vidéo sur sa chaîne en direct, c'est sympa, c'est rigolo, moi je sais très bien.
Mais oui, 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 non, mais t'as raison, Galivania, je te donne raison. Il y a des célébrités du petit écran qui passent sur... Mais ils sentent le vent tourner. On peut pas leur reprocher, c'est des malins. Ils veulent jouer de leur notoriété et essayer de bouffer à tous les râteliers pour se faire des gros sous. C'est voilà, une logique mercantile. Voilà. Ils ont cette fibre-là, tant mieux pour eux, ils arrivent à en vivre. Mais oui, 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 bien sûr, ça casse le côté artisanal de la plateforme et on a un sentiment de se faire polluer, si je parle mal, si on voit vraiment le négatif de la photo, de se faire polluer par des personnes qui sont pas de notre monde, de notre catégorie au niveau artisanal, qui arrivent avec leurs gros souliers, leurs conventions, leurs fric. Et leur notoriété, et oui, c'est sûr que ça bouscule la plateforme, ça va de soi. Il n'y a plus de notoriété dans quel que soit la plateforme, de toute façon. On enchaîne avec le 3 ? Ben, si tu veux. Alors le 3, il est encore plus balèze. Merde, faudrait que je change ma catégorie. Attendez, je vais faire ça. Ça va sauter à l'image, hein, pardon. Parce que Kik, maintenant, c'est tout ce qui est jeux, casino, et les gros qui sont partis de Twitch et sont allés sur Kik. Ah, c'est vrai, c'est fou, mais ils ont pas déclaré le 3. Et je crois que c'est Bark Knuckle. Ouais, tant pis, ouais. Je vais déclarer bien ça. Bien vu, FunFan. FunFan, t'as dit que t'as un souci avec ton horloge. Ah, elle est pas au premier plan. Merci, FunFan.